salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le 8 mai, date bien évidemment historiquement des plus importantes. D'ailleurs ce matin j'ai regardé une petite vidéo vraiment d'époque d'origine, donc en noir et blanc. Et ben, ça m'a fait les poils, les frissons. On voit tout le monde dans la rue, donc dans Paris, c'est avec des drapeaux, avec le général de Gaulle qui arrive en voiture pour très certainement faire un discours. Et ça devait être un moment inimaginable. Parenthèse historique fermée. Je vais, donc rien à voir, hein, on est d'accord. J'ai reçu, non pas aujourd'hui parce que c'est férié, mais hier, la prescription lab du mois de mai, comme d'hab. Magnifique. Je voulais vous montrer rapidement, évidemment, son contenu. Il y a 3-4 produits, toujours. Enfin, c'était en plein dans le mille, hein. En tout cas, pour moi, j'adore. J'ai regardé également sur Internet, savoir si Leclerc était ouvert. Je voulais faire un petit tour avec Eric. C'est pas ouvert aujourd'hui, je m'en doutais un petit peu. Par contre, le Inter, c'est ouvert, donc j'ai envie de me trouver un bouquin et puis compléter 2-3 trucs qui me manquent dans le frigo. Également, parce que là, c'est le retour, en fait, du bazar. Je sais pas si vous allez voir dans la maison. Avec les tournages, j'ai bougé des meubles, des objets, des choses qui s'entassent, des cartons, des box, des fringues. C'est plus possible. Il faut vraiment que je m'y mette. Donc, si j'ai le temps, si j'ai le courage surtout, je ferai ça également en fin d'après-midi plutôt. Je vous ai posé là, j'espère que ça ne va pas trop bouger parce que mon sol n'est pas super droit. Voilà, donc comme je vous disais, on est d'accord, très efficace. C'est en collaboration avec Audrey LPD. On retrouve comme d'habitude le prescripteur sur du papier glacé avec des sublimes photos. Et puis à l'intérieur, comme je vous dis, c'est un véritable petit magazine mode, beauté, conseil. Je trouve le pochon avec les petits produits. Coucou beauté. Le produit donc de la marque, c'est un sorbet ensoleillant Halle Progressive dans un petit auto-bronzant. Eau de cactus plus perles. Donc en fait, il va venir aller naturellement, mais de façon progressive. Et ça donne un petit coup de paillette magique. Je pense que ça doit être très 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 subtil. J'ai hâte, mais vraiment hâte de l'essayer. Je vais en mettre sur mes petites gambettes. Ça. Mais c'est juste top, de la marque Darphin, c'est un soin pour les yeux, j'ai déjà utilisé 2-3 fois. Petite poche antioxydante, il est top, c'est comme un format gel. Donc en plus, le mieux c'est quand même pour décongestionner un maximum de le placer dans le frigo. Regardez-moi ça, voyez, hop. Le mascara Lancôme Monsieur Big, donc effectivement c'est un format échantillon, je l'ai essayé également, je le porte. Un mascara volumateur, j'avais un petit peu peur parce qu'en général ça fait des paquets, mais alors pas du tout, il définit super bien, je l'adore. Et enfin, regardez, le goodies en collab, c'est en fait un petit peu, on va dire, c'est pas un portefeuille, c'est pour, ils appellent ça un carnet de voyage, on met nos petites cartes, on peut mettre nos papiers, nos passeports, j'aime beaucoup. Donc voilà, pour la petite prescription là, je vous dis, hein, si ça vous intéresse, je vous glisse un petit lien. Je vais vous montrer le bazar. Ah bah si, en fait, j'ai loupé, ça commençait là. Donc là, on a déjà une première partie, je vais jeter tout ça. Là, ça recommence à être complètement entassé. Ici, ah oui, c'est vrai, il faut que je range la... Je l'avais utilisé pour le tournage, vous savez, de Chine. La grande glace, que je la remette. Bon là, ça va, c'est pas trop le bazar. Et le pire se trouve dans ma chambre, mais là, je peux pas. Non, je n'assume pas, je n'ose pas, c'est pas possible. Et toi, mon Jackie, t'en penses quoi? De ce bazar, je crois que tu t'en fous complet, en fait. Tant qu'on me donne de la croquette, de l'affection, ça te va, hein? Oh oui, c'est ça qui coule, en fait. Ah là, on est pas mal aussi. Bon, là, il y a nos 2 tasses de café, parce qu'on aime bien prendre notre petit café le matin, comme ça. Ouais, donc là, c'est le bazar, sans être vraiment le bazar, ça va. Et il faut que je... Ah oui, ah oui. Oui, donc pour ceux qui me suivent sur Insta, vous l'aurez sans doute vu. J'ai expérimenté une nouvelle recette. Pas trop bon. C'était, vous savez, avec les crevettes, les pâtes, un peu de chorizo, un peu de... Je sais plus, enfin bon. Excellent. Je vais peaufiner 2-3 petites choses. Mais lors d'un prochain vlog, il faudra absolument que je vous la montre parce que ça vaut vraiment, mais vraiment le coup. Là, je descendais pour manger, mais j'ai un peu peur. Et il faut absolument que je le fasse. Je vais le faire juste après manger. Non, tu vas te piquer, mon Jackie. Tu vas te piquer, mais... Oh là là, vous avez vu? J'ai l'impression que... Oh là là, j'espère que l'intérieur n'est pas comme ça. Ah, oh, mais j'avais même pas lu prêt à déguster. Ça veut dire que c'est prêt depuis un moment. Oh, voilà, laisse tomber. Ça m'intrigue tellement que je veux pas attendre. Par contre, comment ça se coupe? Oh là 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 là. Il se coupe un peu trop facilement, j'ai l'impression.
Ah mais là il est tout pourri. Oh non. Je sais pas. Il est tout mou. Il est tout mou. Je suis dégoûtée. Je vous montre, j'ai fait avec des petites crevettes comme ça, j'appelle ça des crevettes royales. Arrête, dans ma recette d'hier, il n'en reste pas beaucoup. Je vais me les faire, je crois, ce midi avec un avocat. Bon, on était sur le point de sortir, mais bon, comme il s'est mis à bien pleuvoir, on a décalé un peu, hein. On va y aller maintenant, en espérant que ce soit pas fermé, que ce soit pas planté, et sinon c'était très très bon, franchement, j'en ai fait 2 bols, donc Eric, il a bien aimé aussi. Quand je vois si peu d'animation, je me dis que ça doit être fermé en fait. Tu sais, parfois sur internet, ils mettent que c'est ouvert et ils font pas gaffe. Ah ouais, de toute façon, non. De toute façon, il fallait qu'on sorte. Exactement. Mais bon, on peut pas dire qu'il y a vraiment une voiture qui passe, quoi. Voilà. Bah, ils sont plantés, en fait, c'est fermé. Par contre... Ah ouais, d'accord, c'est Brico, c'est Action. Oh. Et Leclerc, c'est pareil. Alors, je vous explique. Bah, on a poussé un peu plus loin. Au Leclerc de Chartres. Qui est, bah... ouvert. Regarde la tasse là. C'est vraiment le coin pour les geeks. Hein. Tiens oui. Bébé, prends la tasse, je t'en offre une. Franchement, la tasse qui te plairait. Une tasse ou autre chose. Regarde celle-là. Mais elle doit pas être facile à... Non, pour boire, ça doit pas être pratique. Game of Thrones, celle-ci est pas mal aussi. La baguette d'Harry Potter. Ce qu'ils mettent, on tourne et on abaisse. Elles sont quand même super jolies, hein, les figurines, sans rire. Ouais. Oh, combien ils vendent ça? Non, j'ai pas la moindre idée. Allez, 34,90. Hyper bien fait. Ah ouais, mais carrément. Je vais aller me chercher, je vais voir. J'espère qu'ils l'ont. C'est la biographie de Palmade. Ça me donne envie. Ah cool, je l'ai trouvé. Moi, j'ai bien envie de me faire un petit goûter, quoi. Un flan, tu veux? Oui, moi, toi, je crois. Où est-ce qu'il a bu un flan? Ah oui, là-bas. Je me suis pris un truc que j'ai jamais goûté, je vous montrerai. Et d'habitude, c'est moi qui fais des crises d'angoisse. Bah là, c'est Eric. Donc, on va pas trop traîner, quand même. Cette frange n'est pas droite. Tu te rends compte, Eric, pour toi, je ne vais pas chez H&M. Par contre, on sort vraiment au bon moment. T'as entendu tout à l'heure? Non. T'as pas entendu la pluie à fond? Non. Ah bah oui. Bah d'ailleurs, regarde ça. Ça se voit. Tu sais, sur la tôle en général, ça fait... Ouh, fait du bien de... Il y avait trop de monde. Ouais. J'avoue que j'étais pas prête là. Toi non plus, donc c'est très bien. Filme les voitures un petit peu. Mais on s'en fout des voitures. On va dire 95% de mon audience est féminine, donc bon... Sans faire de clichés, je pense pas que la voiture en profondeur intéresse plus que ça. Mais j'ai pas entendu, t'as dit quoi? Combien n'ont pas de voiture? C'est-à-dire, qui est capable de vivre sans voiture aujourd'hui? Ah oui, donc il me demande qui est capable de vivre sans voiture aujourd'hui. Voilà, bon, vous pouvez me répondre. Attends. Off, on les mangera à la maison? Vous avez le choix de se promener? Ça, à la maison? Non, la voiture. Ah ouais? J'ai mon conduit, j'ai tout ça, moi. Ah, carrément. Regardez ce que je me suis pris à goûter. Donc, un pain mytho au chocolat. Il est géant le truc. Ah, c'est joli. Et il est plus gros que ma tête. On rentre, il est 18h. Bonjour. Tu t'ennuies, hein? Je
Voilà, j'espère que ton... Non, c'est bon. Ah non, tu vois, le flanc, il est... Regarde. Il est comme neuf, le truc. Mais bon, bah comme voilà. Comme neuf. Bon, bah super, je vais pouvoir remettre après. Regarde. Nickel. Là, il va bien fonctionner pour la vaisselle. Ben oui. Regardez, j'ai testé celui-là. Anti-résidu. Il a l'air pas mal, hein. C'est quoi, alors, celui-ci? C'est le... Comme... C'est dans Infinity. Wow. C'est le gant de l'infini. C'est le gant de l'infini. C'est celui qui recueille les 1, 2, 3, 4, 5... Pierre de l'infini. Voilà. Il y a combien de pierres de l'infini? 7, je crois. 6. Ah. Qui sont? Ils sont répartis non. Un petit peu... Six, c'est quoi les 6 pierres de l'infini? Je sais plus. Attends, entre-moi quand même là. Oh, je ne trouve pas le truc. Ah ouais, non, elle est top, hein. T'as vu? Il y a les doigts qui sont un petit peu mis. Oui, bébé, je m'occupe de toi. C'est le grand de la fille. L'esprit, le temps, le pouvoir. Alors, tu me diras quand on va trouver. Par contre, personne ne m'a rien dit pour ma tête, là. Oh. Bref, j'ai trouvé ça. C'est à glisser, c'est pour les mains. À glisser dans son sac à main. La marque Nivea, ça a l'air pas mal. Le bouquin! Je vous en parlerai si j'apprécie. Dentifrice. J'ai trouvé ces pâtes-là, Bon Duel, haricots rouges. C'est dans les boîtes de conserve. Je vous reprends, il est 19h49. Il y a eu une ellipse parce qu'en fait, je me suis posée, j'ai fait de l'ordi, je me suis renseignée sur le vlog, j'ai répondu à des messages. Et j'ai un petit peu rangé, pas le rangement que je voulais, mais j'ai fait du tri, vous savez, dans tout ce que je reçois. Tout ce qui est cosmétique, je reçois également des bijoux, je reçois des objets déco, je reçois diverses choses vraiment, et donc j'ai un petit peu tout rangé, je mets de côté, je mets dans des boîtes, enfin bref, ça m'éclate, j'adore faire ça, et donc ça c'est fait, c'est un premier pas, et le reste je pense que demain il faut vraiment vraiment que je le fasse, voilà. Et sinon, ce soir on est mercredi, et je crois, enfin je pense que c'est la finale de Top Chef, le problème c'est que j'ai pas regardé le dernier épisode, donc la finale. J'ai pas regardé l'avant-dernier, donc la carte finale. Ça m'embête de regarder, de passer directement à la finale. Mais bon, en même temps, c'est le genre de truc, ça se regarde pas en réchauffé non plus, enfin en replay. Je vais voir, dans tous les cas, au pire, j'ai ma petite série que je continue. Ah oui, les aventures de... Comment elle s'appelle? Sabrina. Voilà, elle m'éclate cette série. Mais il y a quand même un problème. Faut que j'aille faire à manger. Mais j'ai pas faim. Je crois que le palmito, là, le palmier, il m'est resté sur le bide. Mais vraiment, ça va qu'on était déjà en voiture quand je l'ai trouvé pas bon. Mais j'aurais dû vraiment faire demi-tour et leur dire, non, les gars, là, franchement, il est pas bon. C'est même Eric, qui est vraiment pas difficile à goûter, mais non, c'est du carton, ton truc. Je suis dégoûtée. Donc, en fait, tout ça pour dire que le peu que j'ai mangé, il me reste sur le bide. Donc, j'ai pas super faim. Bon, il est bientôt minuit. Je m'apprête à aller au dodo. Ce vent. Et bah ouais, j'avais oublié de clôturer. Je vais vous faire un gros bisou et puis vous dire à demain, très certainement, dans un nouveau vlog. Salut!